qua con Rossi Antinisco, il quale è lo chef del ristorante Nene di Urbino. Siamo all'interno del progetto Italian Taste e oggi andiamo a presentare i prodotti e i sapori delle terre di Urbino, che sono les saveurs de Urbino. Il s'agit de produits AOP et IGP qui, disons, représentent le mieux de notre cuisine aussi en France. Nous commençons par un produit particulier, c'est-à-dire la crèche. C'est un produit particulier, il naît autour de 1500-1600, donc 16e au 17e siècle. C'était un aliment pour les familles nobles, car ils utilisaient le poivre, qui était une épice difficile à trouver, avec les œufs et la farine. La tradition a continué au fil du temps, en se perfectionnant en quelque sorte. Et aujourd'hui, en 1995, elle a obtenu la IGP. On la trouve seulement dans notre territoire. Et il s'agit d'ingrédients qui sont le poivre, le lait, la farine et le gras animal. Il y a un procédé de cuisson qui permet de la rendre feuilletée quand on la mange. Alors, pour quelle raison la crèche se défait différemment par rapport à la piadina? Il y a un procédé, comme je disais tout à l'heure, pendant la construction de ce produit qui consiste à enrouler la pâte et la mettre en cercle et après à l'étaler à nouveau. Donc, ceci évite qu'elle s'attache et qu'elle est souple et elle permet de feuilleter. Aujourd'hui, nous présentons également ce jambon qui est une excellence du territoire. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, ce jambon, in particolar modo dalla scelta del prodotto di base che è diciamo il suino, dépend aussi du choix de l'animal. On choisit un porc dont le poids ne doit pas être inférieur à 160 kg. Et après, la dernière phase, disons, est donnée par Carpegna. C'est un pays à 650 mètres d'altitude et a un microclimat particulier. Donc, il faut le laisser 7 jours pendant de sa saison dans des milieux humides avec une humidité à 90%. Et après, il y a une deuxième salaison à des températures contrôlées. Et on arrive à une maturation de 13-14 mois. C'est un produit complètement italien, typiquement italien, tant pour ce qui concerne l'élevage des porcs et toute la filière. Et nous avons d'excellents résultats. Et l'association avec la piadina est parfaite, mais il se prête aussi à d'autres associations. Après, un dernier, mais pas pour importance, il y a cette cacciotta de Urbino. Ce n'est pas une cacciotta, c'est une cacciotta. Alors, pourquoi une cacciotta? Donc, une cacciotta, pourquoi? Bon, c'est un peu un jeu de mots, si vous voulez. Là aussi, c'est un produit qui naît autour du 16e et 17e siècle. Fu assaggiata da Michelangelo. Michelangelo ha goûté ce fromage. Il est venu, il se rendait à Urbino pour visiter. Il était de Toscanie, donc il n'a pas appelé cacciotta ce fromage, mais il l'a appelé cacciotta. All'inizio era sicuramente la stessa cacciotta che magari possiamo trovare in altre realtà. Poi, au début, c'était plus ou moins le fromage que l'on pouvait trouver aussi dans d'autres. Région, et après, on a obtenu en 1990 plus ou moins l'appellation d'origine protégée, et donc le procédé doit être tout à fait particulier, c'est-à-dire le fromage est composé de 70-80% de lait de brebis et 20 ou 30% de lait de vache. Elle a une période d'affinage de 30 jours et ce fromage est consommé comme fromage frais.
frais, souple, il a une saveur délicate et souple et il se prête bien à plusieurs utilisations en cuisine pour sa délicatesse. Donc ce soir, au sein de la masterclass de True Italian Taste, qui est un projet financé par le ministère des Affaires étrangères italien et avec les chambres de commerce étrangères, visant à valoriser les producteurs italiens et les produits italiens, mais aussi les producteurs qui exportent à l'étranger. Donc pour nous, en tant que chambre de commerce, dans le cadre de ce projet True Italian Taste, il est important de véhiculer le message du produit italien authentique. Pour vous, en tant que représentant ambassadeur du produit italien à l'étranger, qu'est-ce que ça signifie de porter à l'étranger un produit comme celui-là? Eh bien, l'importance que nous attachons quand on rencontre dans des événements comme celui-ci, eh bien, notre but est celui de les faire connaître au mieux pour faire en sorte que notre présence soit représente de manière efficace et juste notre territoire. Le plaisir de le goûter, et bien il s'agit aussi de produits qui parlent par eux-mêmes. Donc on va les goûter, nous te remercions pour les explications et après nous en écouterons davantage grâce à l'adjoint au tourisme Ciappi, on va écouter davantage à ce sujet. Merci.